Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 7. On va charger de suite, il s'était passé énormément de choses et on avait atterri dans un bateau, dans un terrible bateau qui est occupé par Evelyn. Voilà, Evelyn elle est là, elle traîne dans le ghetto, il n'y a aucun souci. Donc nous sommes dans l'épave, Mia cherche au milieu des débris et trouve Ethan gisant au sol. Celui-ci est aussitôt emporté par une gigantesque substance noire qui est sans doute le nouveau virus. Mia décide alors de pénétrer dans les pavés rouillés du pétrolier pour tenter de sauver Ethan. Vous l'aurez compris, la situation est terriblement grave. Pendant le chargement, je vais en profiter pour vous remercier infiniment. 12 épisodes. Et les 11 premiers ont été en top tendance, le 12e j'ai pas regardé, je ne sais pas, mais un grand merci à vous d'être toujours autant actif, de liker, de partager, de mettre des commentaires, de me dire que vous avez kiffé, de me dire que vous avez flippé, de me dire que vous avez rigolé bien évidemment, ça me touche du fond du cœur, je sais, je le dis très souvent, je le dis tous les 3-4 épisodes, mais c'est vrai, que voulez-vous les gars, que voulez-vous les amis, et parce qu'il y a aussi des filles dedans, faut pas les oublier bien évidemment, en tout cas c'est incroyable. C'est incroyable, cette expérience est incroyable, ce jeu est incroyable et vous êtes incroyable. Ça m'a motivé, clairement je vous le dis, cette aventure m'a remotivé de ouf sur YouTube. J'étais un petit peu en pente glissante, hein. Je vais pas vous cacher que j'avais une baisse de morale, une baisse de motivation. Et là ça m'a redonné joie et je sais déjà le prochain let's play. Ça va être dingue, ça va être une aventure exotique, à vous de deviner pardon, en commentaire, ça va être fou, c'est une exclusivité, c'est très bientôt, très 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 bientôt, j'espère que vous serez là, parce que ça va être fou, je vous promets que ça va être dingue les gars. Allez, on est parti, direction l'épave. Allez, on est parti les amis, on est de retour dans l'épave. Est-ce une bonne nouvelle? Je ne pense pas, étant donné que Emeline a très mal pris le fait que je ne veuille pas être sa mère, son père, sa sœur, bref. Ça, c'est encore encore des histoires familiales dont il faut éviter de se mêler, bien évidemment. Ok, d'accord, bon. Il y a une pièce à ma gauche, une pièce en face. De toute façon, soyons honnêtes, je n'ai juste pas d'armes, donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Est-ce que je peux vraiment aller dans l'ascenseur? Oui, pourquoi? Alors par contre, ok, on va quand même peut-être fouiller là-haut. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a pris le contenu. Qu'est-ce donc que ce contenu? Oh! Next... Ok, d'accord, il manque la moitié des mots. Doit être Steam avant... Ok, placer échantillon contenant... D'accord, bon, si vous avez réussi à déchiffrer, tant mieux. Moi, je vais pas faire mon temps avec ces conneries. Alors, attends. Ok, c'est cool, je peux aller là, mais il y a quoi là-dedans, là? Ok. Est-ce que... Non, on peut pas ouvrir. Très bien, il me faut quelque chose. D'accord, très étrange tout ça. Très étrange et un petit peu flippant. Alors on va commencer par la cage d'ascenseur. D'ailleurs, on dit souvent cage d'escalier. Pourquoi on dit cage d'escalier? C'est totalement con. Parce que c'est une cage. La plupart du temps, ça n'existe pas des cages d'escalier. Si. Essayez de trouver les... Oh bordel, ça mène où ces conneries là? Oh les gars. Les gars, jouez la réglo. Alors là par contre, si je tombe, il n'y a plus rien. C'est foutu, on est mort dans le film. Ok, ici on est mort dans le film. On va faire le tour calmement. On va faire le tour calmement parce que ça ne sert à rien. Comme disait Maître Tsiong lors de mon voyage, de mon périple, c'est un périple, bien évidemment, en Asie, rien ne sert de se presser, le bambou ne pliera pas plus vite. Voilà, il me disait ça très souvent et il avait pas tort. Donc on va écouter Maître Tsiong. Hop, voilà, on peut y aller. Et puis on va finir cet étage. Et on va faire étage par étage. Hein. On n'a pas le temps pour les conneries là, les gars. Et puis, hé, si je trouve un petit pistolet. Alors attends, tout à l'heure elle avait pas de lampe torche. Elle en a... Attention, je prends. Ok, va y avoir de l'action étant donné qu'il y a du fluide. Et étant donné qu'il y a une herbe. Et étant donné qu'il y a un PC portable cassé. Et ça me dit rien. Qui vaille. Ah bah oui, mais voilà, bon bah de toute façon on n'avait pas le choix. Ah on n'avait pas le choix mais bon, hein. Oh. Il faut un crochet. Oh. Il me faut une mitrailleuse. Ce serait pas mal. Ils appellent ça comment, une mitraillette ou une mitrailleuse? Oh. Ok.
Il n'y a plus rien en bas, d'accord. Pas mal. Pas mal cette petite fouille archéologique, ça valait le coup les gars. Bon, on peut tracer, ok, cool. Cool. Bon, on peut retourner, attendez. Oh, tu vois ce placard? Eh ouais mon pote. D'accord. J'ai donc des fluides. Ah bah oui, bah là faut tout refouiller les gars. Là faut plus déconner pour arrêter les conneries. J'ai de quoi me faire, franchement je vous le dis, on se fait un heal direct. J'ai de quoi me faire des munitions. Des munitions de quoi d'ailleurs? Des pistolets? Mais où est le pistolet? Bah attends, on est loin de la fin du jeu là. C'est quoi ces conneries là? Putain, et ce bruit d'étincelle. Vraiment, ils ont taffé les bruits les mecs. C'est dingue. C'est dingue les gars. Mettez, j'espère que vous avez vraiment un casque et des écouteurs. Et comme d'habitude que vous êtes plongé dans le noir. Mais le taf sur les ombres et les bruits, c'est juste fou. Baisse pas ta tête comme ça. Enfin, lève pas ta tête comme ça pour toi. Ok. Ah, ah mais ça m'inspire. Mais on dirait. Je vous promets. Que ça marche encore. Resident Evil révélation, sérieux. Ok. Troisième étage. Cage d'escalier, c'est de là où je viens, vous l'aurez compris. À regarder les câbles, c'est jamais. Ethan. Oh, il est pas yimbe. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh bah attends, mais c'est bon, oh. Ça sert à quoi ce que tu fais là? Ok. Niveau inférieur. Ok. Ah oh putain ah, arrête ça, Evelyn. Oh putain, les mecs. Putain d'hallucination. Où est-elle? Wow! Oh là là! Ça, faut prévenir. Ça, c'est ça. La tête de moi, ça en VR, c'est une putain de crise cardiaque. Oh, il est pas bien, là, le bateau. Vous êtes fous! Non, mais ils sont baisés. Hein. Ok, on referme. Ça, c'est une crise cardiaque, ça en VR, hein. Vraiment les gars. Hein. Refaites plus jamais ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il va essayer de se casser. Lui. On voit que dalle, putain, le bordel. Si RE apparaît, franchement, mangez vos morts les mecs, hein. Ça va aussi. Hein. Ça va, on arrête les conneries là. Oh. On est pas là pour. Cabine du capitaine. Tout le monde est là? Oui, capitaine! Ok, on va prendre ça. Plan du navire, c'est incroyable! Oh! Une clé en croix! Ça me permettra d'ouvrir l'ascenseur, ça, c'est sûr. Et forcément, je me doute qu'il y a qu'une clé. Il y a quoi dedans, là? C'est une bombe? C'est une bombe nucléaire, ce bordel? Ah! Il y a ma mitrailleuse! Cool! Ok. Alors, les gars. Moi le coup d'apparition comme ça, je vous le dis honnêtement, je suis pas fan. Je suis pas cardiaque, mais je suis pas fan. Là, clairement. Putain, vous êtes fous. Ok, on va ouvrir quand même. Mais là, clairement, ce coup-là, les gars, s'il y a des cardiaques qui regardent, voilà, faites. De toute façon, normalement, si t'es cardiaque, tu regardes pas ce genre d'aventure. Hein. Je suis pas ton daron, hein. Je suis pas non plus là pour. Ça va. Je me chie dessus assez déjà tout seul. J'en perds mon latin. Ok. Je vais rester équipé, j'en ai rien à foutre. Y'a quelque chose là-haut, vous croyez que je peux faire péter? Puis bon, souvenez-vous aussi le coup qu'elle avait fait avec Ethan quand je m'étais retourné. C'était assez strong. Là, c'est chiant là par contre. C'est très très chiant. Surveillez-nous cette conne, ça mène au même endroit. Ok. Alors j'ai une clé, je retourne à l'ancien ascenseur, je suppose. Étant donné qu'il y a deux ascenseurs. Ah d'accord. Eh, why not? Ok. Et je viens de... Ok. Et là-bas, il y avait quoi déjà? Il me fallait de l'acide. Très bien. Allez, c'est parti. Ok, les mecs. Un peu plus. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Il doit forcément rester du...
Du liquide ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'il me faut. Ah ! Ok. Et il en reste plus. Il en reste plus ! 16 ans après le cauchemar de Raccoon City, les survivants souffrent encore. Oui, je veux bien. Même moi, je souffre encore. Là, à l'heure actuelle, je suis en totale souffrance. J'ai plus de bombes. C'est impeccable. Non, mais les mecs, attendez peut-être là-dedans. Impeccable. Impeccable. Je suis tellement content. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis, cousin. Faut tout refaire. Il y a encore son vomi d'il y a 16 ans là-dedans, là. On le sait jamais, on y va. Oh ouais, mais les mecs, putain. L'Amérique. Bah oui, ça ne s'ouvre pas. Hop. C'est verrouillé. Non, toqué. Ok. Ok. Il y a une sorte d'énigme. Qu'est-ce que c'est? Peut-être les remettre à l'endroit, non? Je suppose. Mais c'est moche. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Ah, d'accord, ok. Ok. Faut que je les mette comme derrière. Ok. Ok. Alors attendez. Faut que j'essaye de comprendre là. Le chemin, ok. Ça c'est en haut à gauche. Et ça c'est en haut à droite. Bon, déjà, ça fout la merde. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du corrosif. Impeccable. Tout ce qu'il me fallait. C'est tout ce qu'il me fallait. On se casse. Ah, ça c'est pas cool. Ok. Comment on va faire? On va faire comme ça. C'est derrière moi. C'est derrière moi, j'ai flippé. J'ai flippé ma race, putain. Qu'est-ce que c'est? Il était jusque derrière moi, cet enfoiré, hein. Oh là là, vous êtes fous, les mecs. Ok, un crochet. Bon, maintenant, faut retourner en arrière. Oh, salopard. Ok. J'ai deux bombes. On va éviter les jeux de mots. Ok, tout au fond à gauche. Allez, frérot. C'est pas bien, les mecs, hein. Je prends. Je sais pas. Clé de l'armoire du capitaine. Je prends aussi. Je prends. Ok, est-ce qu'on peut faire le tri là dans ma vie là? Est-ce que je peux me souvenir de d'où je viens, qui je suis, où allons-nous? Ok, on va retourner tout simplement dans l'ascenseur. Voilà, on a la clé. On va pouvoir aller récupérer une arme. Oh, ça m'a fait peur, ça. Ok. Vous entendez ce bruit? Ça vient d'en haut. Et là-bas, il y a quelque chose. Attendez, on va les sauvegarder. Parce que je me chie dessus, encore une fois. Pour pas changer, les gars, pour pas changer. C'est terrible, hein. C'est terrible, les gars. Que réellement, il y a toutes les raisons du monde pour se chier dessus dans ce jeu sorti tout droit des enfers. Ok? Dégage! On me saoule. Quoi, ces conneries? Alors, attendez. Avant d'y aller. Parce que j'ai quand même la clé du capitaine. Bah, faudrait peut-être que j'aille le voir, ce capitaine. Pièce antique, tu te fous de ma gueule? You fucking to me? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta pièce antique, cousin?
Ok. On va chercher la mitrailleuse si ça vous gêne pas. Ça serait pas mal, je pense. J'ai assez de corrosif, il y a quelque chose en haut, je l'entends. Vous entendez vous aussi la voix des sages? Mais bon, Maître Xiong avait raison, au final. On en revient au même, c'est toujours du pareil au même, comme il disait d'ailleurs très souvent. Ok. Pff, c'est terrible, c'est terrible! Salle de contrôle, cabine du capitaine. On va pouvoir aller chercher la mitraillette. Je pense qu'on pourrait continuer sans la mitraillette, hein. On n'était pas obligé d'aller la prendre. Mais bon, hé, hey, les gars, vous me connaissez. Je me chie assez dessus. Autant la prendre. Salopard, va. Putain. Ok. C'est bon. Je me sens un petit peu plus en sécurité. Et j'ai 3 bombes. C'est incroyable. Eh, tu sais quoi, je me refais un soin, j'en ai rien à foutre. Par contre, qu'est-ce que c'est ça, des munitions standard? Eh, hey, mais faut un pistolet, mon pote, pour faire ça. Faut un putain de pistolet. Y a rien à cet étage. On peut se casser. On retourne de là où on vient. Et c'était pas du tout par ici. Allez. Direction où d'ailleurs? Où je vais? Ah! Bah oui, j'ai l'acide! Alors attendez, les gars, un dernier petit truc. Qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre? La salle de jeu. Ok. Un F. Et nous, on doit aller au S2. Oh. Ça va pas, hein? Ça va pas du tout, ça, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où je vais, là? Où je viens, là? Je suis déjà perdu. Je dois aller où? Je sais pas où je dois aller. Bah, c'est con. En soi, t'avais plus de bras. Tu sais ce qu'on dit, pas de bras, hein. Ok. Je pense savoir où faut aller. Oh la vache, je suis pas bien. Là, réellement, je suis pas bien du tout. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que la maison. Mais ils l'ont fait. Impeccable. Tiens, allez hop, hey. Tes pièces, tu te les récupères, j'ai rien à foutre. Ok. Toujours une petite télé pour la bonne ambiance. Un petit mot. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyne. On l'avait déjà vu. Très bien, ça n'a pas changé. Des missions quoi? Des pistolets? C'est-à-dire qu'il y a un pistolet au bout d'un moment dans le jeu? Je le récupère à quel moment? Corrosif. Putain, mais ça a pas. Ça a pas du tout ça. Allez, on sauvegarde. Vous savez que j'aime ça. Ouais. Bon, on a un petit peu avancé. Ouais, comme je vous disais, je pensais pas qu'on pouvait faire pire ou aussi bien que le manoir, que la maison. Mais finalement, bateau, c'est pas mal non plus, les mecs. Hein. Bien joué à vous. Vous avez fait très très fort. Je regarde le temps en plus qui vient de passer. On est à 18 minutes de jeu de cet épisode. Et je me dis que putain, ça passe lentement, sa mère. Ok, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a la salle de contrôle. Soit je trace, soit je vais tout en bas. Là, il y a la salle de jeu. On va tout en bas? Hop. Ok, on va y aller. On va y aller, alors. Ah, non. Ah, non. Ah! Allume ta putain de torche! T'es con! Ok! C'est tout en face!
Vous avez kiffé ou quoi? Putain, j'ai encore le son du jeu trop fort, c'est terrible. C'est terrible, putain. Peut-être un pistolet dedans? Je ne sais pas. Ok, je prends. Munitions de mitraillette, ça, clairement, les gars, je suis abonné. Ok, quoi d'autre? C'est tout? Attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi, les gars? Ah. Je préfère. Ok, je préfère. C'est tout? Ah, je préfère. Ah, je préfère aussi. Un sac à dos. Ok. On va... Oh putain. On va fouiller la buanderie. Ah, c'est là où... Ok. T'es mort? Vous êtes mort, monsieur? Alors, je suis désolé, hein, les gars. Vraiment, là, cet épisode, je parle pas beaucoup. On est d'accord. Je vais pas vous faire de schéma. Vous connaissez les bails. Ok. Là, il faut un fusible. Il n'y en a pas. Et c'est terrible! Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait un putain de fusible ici? Une note! Jeannette, j'espère que tout va bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer, encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord. Ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière? Il doit vraiment être fauché. RT. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime. Alors, on est mort? Ouais. Mais où ça mène tout ça? Putain, mais merde. On va à des endroits. Oh. Munition de pistolet, comme vous plaît là. J'ai toujours pas de pistolet d'ailleurs, un petit plaisir comme ça. Croisière sur l'Amazone, beauté du lagon noir. Ok. Là y'a rien. Ah, un livre, j'adore lire. Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu le rire d'une gamine. Ou peut-être que c'était dans ma tête. Je me suis levé à 19h30. Il y avait un grabuge dans le couloir. Drew, l'un de nos mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait là-bas. Peut-être une mutinerie. Son visage était blême. Il a décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Ça, c'est con, ça. Il devait être environ 19h50, donc 20 minutes plus tard, quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendu à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles d'un requin. J'ai crié comme une fillette et pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis recroquevillé dans le dortoir avec la peur d'être dévoré à mon tour. Les couloirs sont déjà infectés de ces créatures. Il m'arrive encore d'entendre des hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti. Ok. Hop, ça me fait chier. Mais on n'a pas le choix. Ok, je peux passer par là ou quoi? Où on est là, frère? Ok. Il y a la petite salle d'entretien tout là-haut. Ça paraît pas mal. Je peux monter où, là? Ah! J'y vais pas. Hors de question. Oh putain, la salle est à moitié... Ah, c'est pas ouf. Il a essayé d'ouvrir ici, il y a quoi? Ok. Un pistolet. Je prends volontiers. Et là, il y a... Très bien! Ok, on a encore avancé. On a trouvé des munitions de pistolet. C'est plutôt cool. On va save. On va utiliser les psychostimulants. Parce que là, clairement, je suis pas en position favorable, bien évidemment. Donc, on va les utiliser pour trouver un max de trucs. Et puis, on va prier, les amis, tous ensemble. On va prier que tout se passe bien, que cet épisode soit littéralement incroyable.
et que on ne meurt pas dans d'atroces souffrances. Parce que mourir, c'est triste. Terriblement triste. Est-ce que je vais vraiment aller là-haut? Est-ce que par hasard, ça vaut le coup d'aller là-haut? Déjà, on va monter là, genre rien à foutre. Ok. Ouais, d'accord. Toujours pas de fusible par ici. Hein? Louis, le câble est complètement grillé. Il y en avait un de recharge, mais on a dû l'utiliser pour réparer quelque chose à l'infirmerie au troisième. D'accord. En bas dans la salle des machines numéro 2, je ne peux pas descendre, donc on n'aura pas fait fonctionner ce machin. D'accord. Ok. On va retourner là-bas. Bon. On va fouiller, on va passer par les escaliers. Pour l'instant, ça va. Même si je vous avoue que je me sens pas sécure non plus. Ok. On va retourner d'où on vient et on va descendre. D'un étage encore. Ah, mais attendez. Je le prends, j'ai rien à foutre. De toute façon, pour l'instant, on en a même pas besoin, je vous dirais. Mais bon. Au moins, ça fait un fusible. En plus, c'est moi qui l'avais mis là. Ok, par contre, alors, au final, alors c'est quoi ces conneries là? Ok. Et là, qu'est-ce qu'il manque un câble. Ah, c'est chiant. Le câble est complètement grillé, on en avait un de rechange, mais on a dû l'utiliser pour apparaître quelque chose à l'infirmerie au troisième, ok. Tant qu'on n'aura pas fait fonctionner ce machin. Faut que j'aille au troisième? Peut-être le réfectoire, je sais pas. Ok, on va regarder. De toute façon, on va tout fouiller, on n'a pas trop le choix. Oh, couteau de survie. Lol. C'est bon, ça? Je trouve des petits codes comme ça. Oh putain, ça va pas. T'es mort? T'es mort, hey? Il est mort. Ok, on continue. C'est terrible là, il y a trop de trucs à penser. Ah! Quoi? Ok. On va fouiller la partie du vomi. Ok, je prends. Là, il n'y a rien. D'accord. Et là, il n'y a toujours rien. Bon, y a toujours son vomi, hein. Ça résiste au fur et à mesure du temps, mine de rien. 16 ans, me semble-t-il. Non, 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 le bateau. Mais non, 3 ans. Ok, je prends. Bon. On est bon. Je peux plus repasser par là, ça c'est dommage. Ok. On a fait toutes les pièces ici, écoutez. Donc je pense qu'il faut aller au troisième. Il faut vraiment retourner au troisième. Là, on n'a pas trop le choix. Et peut-être par cette porte. C'est un vrai casse-tête, ça. Il a dit qu'au troisième, il y avait les câbles. Bon, je le crois, moi, c'est un frérot, tu vois. Ouais, ça va, on va pas monter au quatrième non plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Près des conduits. Il y a quelque chose à faire. Ok, on va tout fouiller. On va peut-être pas sauvegarder. On va passer par là. Nickel, il y avait quelque chose. Et j'ai ouvert pourtant. Ah non, j'avais ouvert et je suis jamais rentré. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, une porte. Une porte, mais je ne peux rien faire. C'est bien triste, ma foi. Ok, un couloir. Et il n'y a rien. D'accord. Ah oui, douche, infirmerie. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Oh là là, l'ambiance, les gars, putain, c'est pesant de ouf. Je préfère rien dire, vous laisser le son et vous chier dessus en même temps que moi, au moins on en parle. C'est quoi ça?
Je n'ai même pas le câble. Ok. Oh putain. J'avais même pas le câble. Je serais bien parti sans. Ok, on va faire marche arrière, je crois. Hein. Oh putain, j'étais tellement pas prêt pour lui. Oh, j'ai envie d'aller là-haut quand même. Ah, je pouvais run par là. Beau ça. Ah, bah, fallait le savoir, les mecs. Hein. Ok. J'ai des flûtes très forts. Donc on va se faire un soin très très fort. Très fort aussi. Mais c'est quoi ces conneries? Je peux même pas y aller. Ça sert à quoi de faire des accès comme ça si on peut même pas y aller, les mecs? Bon. J'ai utilisé pas mal de bombes, voire toutes. Ah, il n'y a plus rien là-dedans. Voire toutes les bombes téléguidées. Télécommandées, pardon. Et ça, c'est chiant. Ok, attendez. Ok, faut que je retourne à l'ascenseur. Une fois réactivé, il va me permettre sûrement d'aller au troisième. Je suis en stress. Ok. Je sais plus d'où je viens. C'est terrible. Ok, je venais par là. On va save. On va save, les potes. Hop, nouvelle donnée. Ouh là 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 là, je cherche d'où je viens, je crois que je venais par là, donc on va y retourner. Par contre là, attention, hein. Les pièces où tu peux sauvegarder, t'es pas du tout en sécurité. Hein. En tout cas, j'ai pas l'impression que cette fois-ci ils peuvent dépop. Ok, je venais par là, on va pouvoir retourner dans notre ascenseur magique. Et en plus, j'ai fouillé quasi tous les étages. Il est grand le bateau, hein. Je dirais qu'il est quasi plus grand. Je dirais qu'il est quasi plus grand ou aussi grand que le manoir à voir. Mais je pense quand même qu'il est plus grand que le manoir. Plus de pièces en tout cas. Ok, on y entre. Putain. Petit plaisir les gars. Allez, c'est parti. Quoi ? Bon, on va direct au moins deux. Hein. Là où il y a Ethan les mecs. Hein. Allez, c'est parti, les gars. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. La pression, les mecs. Ah! C'est quoi tout ce chemin? Salle des machines 1, salle des machines 2. Salle de la mort, oui. Quoi? Ok, les gars. Oh putain. Les gars, je vous le dis. Je mets clairement moins fort. Parce que là, j'assume rien du tout. Ok, c'est parti. Il peut me tuer ? Il peut me bouffer ? Ok. Regardez ce qu'on va faire. Salopard ! Bah voilà, je suis déjà mort. Très bien. Très très bien les mecs. J'étais tellement pas prêt. Un devant, un derrière. Alors je l'ai entendu celui de derrière, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Et en plus, il était très fort, le mec. On va l'appeler le crawler, là, le truc qui était. Qui marchait au sol. Il était très fort parce qu'il avait une sorte de. Vous savez, le bras noir là, modifié, une sorte de pince. Donc c'est une sorte de mini-boss, va falloir que je l'aie à lui avec la bombe télécommandée, je pense. Bombe télécommandée, des petits coups de mitraillette là où je pense. Parce que clairement, il m'a mis super bien. Il m'a mis super bien, bordel. Ok. Hop. Très bien. On est reparti. Allez, viens, frérot. Oh putain, j'ai cru qu'il allait jamais venir.
Allez. Ok. Lui, il est mort. Il est mort dans le film. C'est bon, on peut continuer. Ok. Hop. Allez, dégage. Ok, on peut continuer. Attends, t'as encore envie, toi. Oh là 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 là, les gars, c'est le stress de ouf. Ça, je prends, putain. Munition de pistolet, je prends ça, putain. Ok. Allez, ça dégage. Une balle spé, on n'en parle plus. Ok. Hop. Yes. Oh là 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 là, ils m'ont gavé. Il va y avoir un boss. Il va y avoir un boss. Ils m'ont gavé, mais ça va être tendu. Oh oui, 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 ça c'est un petit boss, ça. Ça c'est un petit boss très sympa, ça. Il me reste quoi? On va faire le tour vite fait. Ok, psychostimulant, on va les utiliser, j'en ai rien à foutre. Balles de pistolet. Il me reste pas mal de choses. De quoi faire des munitions spé. De quoi faire pas mal de munitions. Ok, pendant que je suis sous cop, là, les gars. Hop, on prend. Hop, oh putain, 70 munitions, ça régale. Il est mort. Ok, on continue. Quoi? Quoi? T'es mort? Wow! C'est terrible! Ok! Faut que j'utilise un petit soin là, non? Je pense. Ok, on va utiliser un petit heal. Ok. Frérot, là on est où là? Salle des machines toujours? Ah! On a fait qu'une salle des machines! Entre temps, il y a une soute! C'est terrible! Ok. Je crois qu'il me reste un truc parfait. Il m'en reste un, il y en avait d'autres, je suppose qu'on pouvait les utiliser en haut et j'y ai pas pensé. Une pièce antique, j'en ai rien à foutre de ça, frère. Je me chie dessus et toi tu me proposes une putain de pièce antique, mec. Ok, on va voir la soute. Ah, ça m'intéresse. Il va me redonner une pièce antique, cet enfoiré. Oh putain, je prends. Je prends volontiers, ma gueule. Là, les gars, moi, je prends tout ce qui passe. Hein. Je prends tout ce qui passe. Je ferai énormément de choses pour des bombes télécommandées, là. Je me sens tellement sécure avec. Oh là là. Frère, sœur. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ok. Ethan. Oh, putain. Ethan. Ethan. Et je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite. Ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyne. C'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou.
c'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle? Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Ok. Il me fait presque de la peine, là, le... Evelyn. Le père Baker. Éloigne-toi de lui. Pourquoi? Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... Ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? Mia, comment... On n'a pas le temps. Tu dois sortir d'ici et la retrouver. Tiens, prends ça. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie. Tu dois y aller. Je ne pourrai pas résister beaucoup plus longtemps. Non. Maintenant, va tuer cette petite garce. Non. Non. Mia. Non! Ok. Très bien. J'espère que tu ne l'as pas tué. Ok, on sait pas ce qui nous attend là. Ok, petite conne. Où tu te caches? J'ai pas d'armes, j'ai rien à part cet échantillon. C'est quoi ce fuck? Ok. On y va les potes. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est bon. Tout est de ta faute. Non. Ça peut pas être de ma faute, j'ai rien fait! Ok. La vache! Ça a l'air sincère. Ah, on quitte l'épave! Ah, c'est pas mal! Bon, on va aller où maintenant alors? C'est incroyable! Ok. Il est éteint, petit navire. Ah, le jeu de mots! Il était un petit éteint. Oh, oh putain, qu'est-ce qu'on rigole! Eh, Capcom, attention! Hein. Attention la rigolade, hein! Ah non, sympa. On continue. Je ne sais point où je vais. Attends, dis-moi pas que je retourne. Oh, je retourne dans la maison. C'est sûr. Il y a un médico. Et il y a des poissons morts. Je peux manger un poisson? Ok, il y a un hélico toujours. On est où là? Un truc pétrolier. C'est pas la maison ça, hein. Eh les gars, je reconnais, hein. J'y ai passé pas mal de temps. Ok, on va peut-être monter. On ne peut pas. Je dois passer par en dessous, je crois. Très bien, je dois bien passer par en dessous. Point de sauvegarde, coffre. Ok. Est-ce que dans mon coffre, je vais récupérer tout ce que j'avais? 47 magnums, tous les bails, tu vois. Ce serait pas mal. Ça ferait plaisir, en tout cas. C'est parti, ma petite gueule. Ah ouais, putain, ça sent... Ça, c'est bon, ça. Ça sent, tu vois. Hop, ouais, je voulais voir si je pouvais toujours me protéger. Oh putain. Munitions, ok. 18 février 1892, il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Tuan et Beckford sont morts et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Ah, on est dans une mine maintenant. Le vieux Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. La compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants, ils préfèrent nous faire bosser deux fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Mine. Ok.
très sympa. Qu'est-ce que c'est? Un hélico. Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? C'est fort possible. 1-2-1-2. Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker. Aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement. Et là, c'était quoi déjà? Augmente votre vie maximum. Rechargement ou vie max? Telle est la question. On a déjà trouvé deux vie max. Je crois qu'il y en avait trois en tout. Parce que quelqu'un m'avait dit que j'en avais loupé un. A voir. Écoutez, on va voir ça de suite. On save. Et on continue. Parce que je veux connaître la fin tout de suite. Peut-être que je couperai l'épisode en deux, hein, si je veux que ça soit diffusé aujourd'hui.